Train my mind so I'll forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Ok, salut tout le monde, c'est Cliwood et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur League of Legends. Donc ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur League of Legends, mis à part ma petite blagounette avec Sion, d'ailleurs il est avec nous dans cette game. C'était pas une vraie vidéo sur ce jeu. Et donc là on va jouer... on va jouer Zed, pardon, excusez-moi. On va jouer Zed. Donc Zed c'est un perso assassin, hein. Ok, je pars son stuff, ça va être badass, hein, bien sûr. Donc normalement ça joue mid ou top, hein, comme vous voulez, mais le truc c'est que bon, bah, évidemment, soit vous avez du cul et vous tombez directement sur ce que vous voulez, donc moi notamment c'était le mid, mais bon voilà, j'avais sélectionné le perso, puis là bah, je vois que j'ai pas le mid, et le temps que je marque top, en fait quelqu'un d'autre avait mis top, donc voilà. Et du coup, bah, il restait la jungle, et puis Z jungle, ça fonctionne pas trop mal aussi, c'est un bon gank. On va pas dire que c'est ouf non plus, mais c'est pas trop mal, ça peut pas être trop mal. Hein. Donc on va par contre en jungle, j'ai aucune idée de quoi maxer, ouais, je sais pas. Donc on va maxer exactement pareil, par contre, j'ai juste demandé de l'aide, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais... Sion, help, please. Sion, help me. Donc je pense qu'on va finir. Donc cet item là on va plutôt faire un... Non, je pense qu'on va faire un... On va faire une lanterne. Et puis après on partira sur ouais, on partira sur couperet noir. Et puis le stuff basique, hein. Je pense que on va pas se faire trop chier par pour le stuff, mais bon. Donc voilà, donc Zed, personnage plutôt stylé, on va dire. Donc je vais vous montrer ses capacités dès que j'en aurai l'occasion. Donc déjà le A c'est un shuriken que je balance comme ça, qui fait des dégâts en fait, et ça fait des dégâts, en fait le shuriken va faire plus de dégâts s'il ne touche personne avant. C'est à dire que là si on était mon ennemi, si je le touche en fait, ça va faire plus de dégâts que si j'avais lancé et que ça avait traversé un creep. Donc voilà, c'est pour ça que je me mets ici en fait, c'est pour taper le gros creep en premier, pour faire plus mal au gros creep. Sinon le petit creep, c'est le petit creep qui va prendre cher et pas le gros. Donc là il me laisse un peu dans le... comment dire... Voilà, on va pas dire que c'est ouf leur pool, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc le passif, faut rappeler. Donc le passif, c'est très simple en fait. Plus l'ennemi va être low life, plus les auto-attaques de Z vont être très très puissantes. Donc voilà, on va prendre le Z. Toujours prendre le Z, hein. Et le Z, donc, c'est son ombre. Vous allez comprendre tout de suite. En fait, je dirais que certains disent... Oh là là, franchement, la compétence ultime, la compétence qui fait Z, qui fait de Z un bon perso, c'est son A qui fait vraiment très mal. Mais moi, je dirais en fait que Z mérite d'être aussi fort grâce à son mauvais shuriken là que j'ai fait. Grâce à son Z, puisque son Z, en fait, vous allez placer une ombre, donc voilà, à cette distance-là, hein, jusqu'au bout de la flèche. Donc ça, je sais pas si ça s'augmente en fait par niveau. Donc vous allez placer votre ombre ici par exemple. Voilà, et vous allez pouvoir lancer par exemple le Q-Spell, ça va lancer un shuriken à partir de l'ombre et à partir de moi. Donc ça va lancer double shuriken, ce qui fait très très mal en lane, hein, évidemment. Donc là j'ai trop attendu, l'ombre a disparu. Et vous pouvez aussi, regardez, je vais vous montrer avec l'ombre, vous placez l'ombre, vous lancez vos shuriken et vous pouvez réappuyer sur l'ombre pour apparaître à, bah, sur l'ombre et en fait vous transporter sur l'ombre. Premier son dans un bot, c'est pas trop mal fait. Donc voilà, donc là j'ai des double buffs, donc ce qu'on va essayer de faire c'est qu'en fait le problème c'est que là vous voyez toutes les lignes sont push. Donc là je ne peux pas gank parce que sinon je vais me faire def par la tour. Là je ne peux pas gank parce que sinon je vais me faire def par la tour. Et au bot c'est pareil, donc le truc c'est vous farmer, voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et puis voilà. Alors, aussi, quand vous allez placer votre ombre et que vous allez utiliser votre E, le E va appliquer un slow, mais celle, pas le E si vous voulez, c'est ça. C'est une espèce de... je sais pas, d'une taillade, voilà, en fait, il donne des coups, voilà, et puis ça fait des dégâts autour de lui. Vous allez taper comme ça, donc là j'ai craché sur mon écran, c'est un peu dégueu. Mais, et donc normalement c'est juste des dégâts normaux, si c'est fait à partir de vous.
Et à partir de votre ombre, par contre, ça va appliquer un slow, donc c'est un ralentissement pour ceux qui ne connaissent pas tout le vocabulaire pour l'instant. Mais moi, je ne le connais pas en entier, donc voilà. Je comprends ceux qui ne le connaissent pas. Et donc le but pour l'instant, c'est juste de farm, parce que là, tout le monde push, et donc je ne peux pas venir sur les lanes. Et donc s'ils disent, oh là là, t'es vraiment trop nul, tu viens jamais aider, bah écoute, t'as qu'à pas push, et puis voilà. Hein. Tu me fais pas chier. Voilà. Donc on continue, hein. Hop hop hop, les golems je les fais pas au début parce qu'ils sont, vous voyez, ils font quand même assez mal, ils mettent pas mal de dégâts. Donc voilà, donc là je suis passé niveau 4, donc je suis plutôt content, j'ai perdu le red buff, donc c'est à ce moment là que je back. Et je pense qu'on aura assez pour acheter ces deux trucs là, donc le rasoir, et il nous manque un tout petit peu de gold. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter une pink, et voilà, on va acheter ça, voilà, on va prendre masse popo, et puis voilà, tant pis, hein, j'ai pas la lame, j'ai pas l'épée. Donc c'est pas grave, c'est pas grave, on retourne donc dans notre jungle, on va vite fait poser les wards, donc les wards extrêmement importants, prenez-en, je vous en supplie, vous verrez la différence, oh punaise, là, hein, il y a eu un kill, vous verrez la différence entre une game où vous allez poser beaucoup de wards, donc vous allez jouer plus safe, évidemment il faut regarder sa minimap, ce que je ne fais pas toujours, donc j'ai pas beaucoup de conseils à vous donner sur ça, mais voilà, mais normalement, prenez tout le temps des wards, c'est toujours plus safe de prendre des wards. Au moins vous savez où est votre adversaire normalement. Donc évidemment moi je vais pas prendre des wards pour tout le monde. Là je vais prendre une fois des wards, deux fois, à chaque bac je prends des wards. Mais s'ils n'en prennent pas non plus ça ne servira à rien. Donc je verrai en fonction. Mais bon, de toute façon hop, on met des wards là pour éviter qu'ils rentrent dans ma jungle. On va dire que Z ça, son potentiel de gank au, dans les premiers... Ouh doublé, joli ce sion. Son potentiel de gank au début est très faible, puisqu'évidemment vous n'avez que votre Z, et votre Z n'est pas extrêmement large comme capacité, hein. Vous allez mettre beaucoup de temps à rentrer dans la game, je veux dire, avec Z. Faut attendre le level 6, un peu comme, encore je dirais, Rengar, donc pour ceux qui savent pas, c'est l'espèce de gros lion là, l'espèce de gros lion qui devient invisible et qui peut sauter sur les gens quand il est invisible de très très loin. Et oula, bah moi j'allais faire comme Rengar justement. Et donc voilà, donc il va mettre beaucoup de temps à rentrer dans la game. Mais bon, mais une fois qu'il va être bien, en fait, vous allez voir son ultimate est vraiment hyper intéressant. Je vais vous l'expliquer une fois que je l'aurai. Non, bon, attends, je vais vous l'expliquer maintenant. Donc c'est la marque de l'ombre, la marque de la mort, non, la marque de la mort. La marque de la mort, en fait, elle va vous permettre de vous téléper sur un ennemi avec plein d'ombres. Donc qui va laisser d'ailleurs une ombre à l'endroit où vous avez lancé le sort. Cette ombre que vous avez laissée sera... comme celle-ci, en fait, vous pourrez réappuyer sur R pour vous TP dessus, voilà, pour vous échapper de l'ennui, par exemple. Et donc, voilà, et donc cette marque, donc elle va laisser une marque sur l'adversaire que vous avez ciblé, donc c'est mono-cible, hein, c'est pas sur plusieurs personnes. Donc là, oui, c'est pour son mate, je pense. Elle va laisser une marque, et plus vous allez faire de dégâts après avoir posé la marque, plus la marque, au moment de son explosion, donc elle va exploser, hein, va faire très très mal. Vous verrez que ça fait plutôt mal si je place de bons combos. Normalement, ça fait plutôt mal. Mais bon, après, il faut que je réussisse à poser des combos. Donc là, je vois le red buff, j'y vais directement. Sinon, si je fais autre chose avant, il est possible que... C'est quoi le jungle en face? Le Fiddle, donc le Fiddle qui est plutôt mal, puisqu'il est mort déjà une fois, que le Fiddle me le pique. Donc normalement, j'ai pris un avantage sur Fiddle. Heureusement, on a eu un AP mid, parce que sinon, on aurait été dans la mouise, parce que là, Fiddle, jungle, AP, il sera pas... Ils auraient été pas obligés de prendre un AP au mid. Voilà. Donc là normalement je vais monter d'un niveau. Voilà. Donc voilà. Hop, on récupère le red buff. Donc jamais back après le red buff. Faut toujours en profiter. Donc là par exemple vous faites des dégâts beaucoup plus puissants. Donc autant faire quelques camps avant de back. Hop, le blue buff, vous allez. Vous avez dû remarquer, est très intéressant sur Z, puisqu'il réduit totalement, mais complètement ses sorts, et donc c'est vraiment hyper intéressant. La Vayne qui est en train de se feed, voyons voir. La Vayne fait du 2-0, donc 2-0 c'est pas mal, hein. Je peux vous dire que ça commence plutôt bien. Alors voilà, donc hop, on fait maximum de dégâts en dehors du fight, hop, on rentre, on voit, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Voilà, c'était chaud, mais je pense que je meurs pas. Oh non, je suis mort. Petit fail, bon. Ce creep était beaucoup trop fort. La force lance du creep.
Je suis mort comme une vieille merde. Ça me fait trop marrer. Hop, on continue à prendre des wards. Donc les popos, c'est bon. Hein, hop, bah, la race, on s'en fout. Combien? 215, bon. J'ai du mal à faire un peu mon item, mais bon. Donc du coup, j'ai perdu le boubeuf comme un con. Je l'ai plus le donné, même pas au Vegar. Donc... Ah oui, j'ai fait mon salaud. Ah, je l'ai même pas donné au Vegar, très bien. Oula, notre Vegar qui prend plutôt cher. Et ils ont tous les deux des skins. On tombe sur des Vegar qui ont des skins. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais clear avec faire blue, sinon il va pas respawn. Hein. Donc voilà, donc je pue un peu la merde. Ça, on peut le dire. On peut le dire. Donc là, le Fiddle est là. On tente. On tente un kill. J'ai pris... Non, c'est pas vrai. Oh, la brosse. Oh. Ah, je déteste Fiddle. C'est vraiment ultra fort, mais bon. Donc là, il a bien joué. En fait, je sais pas pourquoi il a continué à frapper. Je pense qu'en fait, il était en train de se heal. Du coup, il en a profité pour... je ne sais plus, en fait. J'ai mal analysé. Je pense que j'ai surestimé un peu mes dégâts, mais bon. Mais bon. Donc, c'est sûr qu'en fait, je fais pas beaucoup de dégâts au début. Donc voilà. On va reprendre une ward vite fait. Hop, on est reparti, on va aller warder tout ça. Donc, oh là 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 là, on est mal barré. On est mal barré. Donc, par contre, au niveau de ses creeps, il a pas beaucoup de creeps. Donc, même s'il m'a tué, je vais dire, il reste quand même dans le mal. Puisque, regardez son stuff, il est pas non plus ouf. Là, il a même pas fini son premier item de jungler, tout comme moi. Donc, au final, ça va. Je fais du 0-2. On va essayer de se rattraper petit à petit. Donc, évidemment, je suis Silver 5. Donc, j'ai pas un hyper bon niveau de jeu. Hein, faut pas croire. Mais bon, on va essayer de se rattraper quand même. Hein, bon, voilà. Hop, hop, hop. Donc Z, en fait, le truc, c'est que je vais pas être utilisé comme excuse. Je joue mieux, je pense qu'en fait je me suis plus train mid, hein, clairement. Puisque je le joue en ranked pour l'instant, je pense que c'est un bon pick. Hein. Z, c'est vraiment très fort. Mais bon, jungle, c'est un peu plus dur. Mais bon, je pense que c'est largement faisable. Je pense que Z, jungle, c'est largement faisable. On va poser une ward là, au cas où il revient. Mais le problème, vous voyez, ils sont tout le temps, mais tout le temps sous push. Et ça, c'est super relou. Parce que je ne peux pas gank du coup. Et ça c'est super super relou. Alors hop, on va faire vite fait les brasses. Du coup bah, le but ce sera de farmer. Hein. J'aimerais bien... Ah attendez, on va y tenter un counter gank. Est-ce qu'on tente? Non, on tente rien. Il tente rien, il a totalement déchiré l'autre. Bon, on va tenter un... Je pense que le counter gank était pas une mauvaise idée, mais bon. Ça aurait été dangereux quand même. Hein. Faut pas se leurrer quand même. Hop, combien de temps le red buff? Hop. Dans... Une minute. Je me sers un peu ouais, de ces trucs-là, même si c'est pas très cautionné. Hein. Normalement, faut le faire tout seul, mais bon. Moi, je m'en fous. Hein. Donc là, on va partir direct sur un coup près pour réduire, en fait... coup près. Pour réduire, en fait, pour améliorer sa CDR. Donc la CDR, ici, est à 0%. Donc vous voyez, j'ai rien dans mes runes. De CDR, donc c'est CDR, c'est en fait le temps d'attente pour avoir pour de nouveau pouvoir lancer le sort, donc c'est le délai de récupération des sorts, et donc voilà, et donc c'est un peu plus long, et avec la CDR vous allez réduire justement ce temps et donc spammer vos sorts, hein, évidemment. Donc là on a le temps vite fait de faire les loups, hop hop hop, voilà. Donc là je mets le combo, puis après ça joue sur les auto-attaques. Hop, excusez-moi pour les baisses de FPS, hein, ça arrive de temps en temps, c'est quand mon PC en fait travaille un peu sur les processus et tout ça, de machin, de trucs bidules chouettes, hein, je sais pas trop comment vous dire ça, mais bon, il travaille et donc il rame un petit peu sur League of Legends. D'ailleurs, j'ai dû, je vous conseille d'avoir la vidéo, si vous ramez sur League of Legends, allez voir en fait une vidéo... qui vous permettra de télécharger Game Booster. Ça permet en fait d'allumer le jeu à partir de Game Booster. Et donc, attendez, je vais poser une warde de prévention, on sait jamais. Et qui vous permet en fait de réduire vos FPS. Normalement là, en fait là vous me voyez à 20. Parce que j'utilise Fraps pour filmer. Du coup c'est un peu... Faudrait que je trouve un logiciel qui permet de filmer et qui pèse pas trop les FPS. Parce que normalement je suis à 60 grâce à Game Machin là. Donc, voilà, donc là on a encore fait un kill. Nami, je vais dire, c'est pas hyper safe hein, quand même comme pick, mais bon. On va essayer de lui encaisser. Hop là. On lui encaisse un vent de back histoire de récupérer un peu plus de gold. Et là, normalement, on peut se faire... je vais me faire une... Allez hop. Reviens à la base, voilà. Hop. Jamais normalement ouvrir son inventaire, enfin sa boutique, avant d'avoir back. Parce que vous pouvez vous faire taper et le temps que vous désactivez votre inventaire, c'est un peu plus long.
Oh, dommage le sion. Allez, il est un peu pris. Il est pris en partie, là. Ah, heureusement, on a notre bon... Oh là là, c'est chaud. Je vais essayer de venir, on va essayer de killer cette petite Riven, mais elle a du bac. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va aller faire son red buff s'il est... On va essayer de le foutre au fond. On va essayer de foutre au fond ce Fiddle, car il est là, donc il ne peut rien faire tant que le sion est sur lui. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire... Ok, nickel. Hop, allez, hop. On se dépêche. Hop, on clear pas comme ça, il est dans la merde. On va push un petit peu ici, même si c'est déjà bien push. Je l'ai pas vu. Vous avez vu tout à l'heure, mes dégâts étaient très... Elle est pas morte. Oula, elle a une bonne vitesse de déplacement, elle. C'est quoi ce bordel? Elle est pas morte. Un poil de cul. Donc là, on va retenter un peu le bleu, même s'il m'a défoncé tout à l'heure. J'ai 400 points de vie. Je sais pas combien il tape le blue. On verra bien. Donc là, je suis à 28 FPS, donc ça va. Ça rame pas trop. Il tape du combien? Il tape du 100. Je vais pas le faire. On viendra après. De toute façon, ça sert à rien. Au pire, je backerai juste après. Donc autant partir et revenir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre... Je réfléchis un peu au stuff que je vais prendre. On va prendre des bottes histoire de se déplacer un peu plus vite. Parce que là, on est un peu lent. Et Z, c'est une bonne vitesse de déplacement parce qu'on va utiliser la... Ok, j'arrive. On va utiliser la... les bottes de mobilité pour se déplacer pour bien venir. Le problème de cette game, c'est que elle n'est pas très intense pour moi puisque toute ma team a push. Donc c'est vraiment... C'est vraiment dommage. Donc là, bonne idée du Drake, même si c'est pas hyper safe, hein, parce que clairement, on sait pas où sont tout le monde. Mais bon, là, on les voit, ils sont au raid. Donc elle peut le faire tout seul, donc elle fait mongoliser en fait le... Voilà, elle fait mongoliser en fait le Drake, donc c'est très bien joué de sa part. Elle a perdu très... Elle a perdu pas mal de vie toute seule, mais à seul, c'est déjà pas mal. Ok, ah bah ça, c'est ma pink. Ah, c'est la pink que j'ai posée au début de game. Ah oui, il pue la merde en face, hein. Ah, il pue vraiment, hein. Clairement, normalement, faut essayer de voir s'il y a des wards normalement partout, hein. Mais bon. Hop. Ah, un allié a été tué. Fiddle se remonte, je veux dire, il joue bien quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'il joue pas trop mal. Moi, en fait, je joue pas très bien parce que, franchement, c'est un peu plus dur. Mais bon, l'avantage, c'est que moi, je farm mieux que lui et du coup, j'aurai ma flamme sauvage très bientôt. Voilà, j'aurai ma flamme sauvage, donc... balise camouflée... Donc dans bientôt, dans 200, dans à peine 80 creep. Enfin, même pas, c'est 80 gold, en fait. Non, je sais même pas comment ça marche, attendez. PO supplémentaire de monstre. Ouais, d'accord. Ça me rappelle... Donc on verra bien, de toute façon, on s'en fout. Donc je sais pas comment j'ai fait pour avoir... Ah oui, c'est vrai, c'est le Drake. Ok. On va essayer de la choper, celle-là. Ah merde. Je voulais faire un ZE pour essayer de le sauver, mais il est mort par l'ignite. Donc je ne pouvais rien faire. On a fait un kill. Je voulais essayer d'avoir la Riven après, mais je voulais absolument vérifier si elle mourait. Même si elle mourait, c'était sûr. Bon, on a tout mis et elle a flash comme une conne. Et elle a pas vu la marque en fait. Ou alors elle connaît pas Z. Je ne sais pas, mais à ce niveau-là, normalement, on connaît Z. Ah, dommage, si ce grave était passé, on l'aurait tué. Ok, je me suis pris pour le... Je vous avoue, je me suis pris pour le Blitzcrank. Hop, on back parce que là, il y a un stun potentiel. Hop, on fait des dégâts tout en backant.
J'ai instant flash parce que là, un Q-spell ou un combo du petit, comment il s'appelle déjà, le petit méchant Fiddlesticks. Voilà, il aurait pu me mettre au fond. Donc ce qu'on va, on va en profiter d'ailleurs pour faire les mobis. Hop, et on est parti. Hop, 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 allez. Hop, on recharge la vie, et puis on y go. On va prendre le raid. Et j'aurai bientôt la flamme sauvage, normalement. À peu près à 20 minutes, on doit l'avoir. Donc j'espère l'avoir à 20 minutes, sinon ça veut dire que j'aurai mal farm. Mais contrairement au Fiddle, j'ai bien farm. Hop, le bleu dans 2... Ok. 2 minutes 30. Hop, on va très vite. Je mets pas de ward de prévention parce que je sais qu'ils sont pas là, ils sont tout au bout. Ils ont réussi à, les faire back. Hop. Un shuriken pour 2 kills, ça réduit en fait le temps de farm. Hop. On essaie de push très vite. J'utilise pas l'ombre parce qu'au cas où, il y a le Fiddle quelque part. En fait, il est là. Il était là. Je crois l'avoir. En tout cas, on est bien parce que... Oh, putain, son bleu. Yes. Normalement, il est là. Oh putain, oh putain de merde. Oh putain de merde. Faites gaffe, il y a Riven. Riven dans le bac. Riven dans le bac. Riven dans le bac. Dommage, c'est dommage ça. Bon, nous on va prendre le bleu. Ok, très bien. Ok, là par contre j'ai pas eu le temps de faire masse damage. Hop, on a fait un kill. C'est parfait, on se remet dans le game. Oh, double kill, j'ai pas vu. Ah, les dégâts. Infâme. Infâme les dégâts. Donc là c'est bien, on a fait un double kill, on se remet bien dans la game. Je vous avais dit en fait, Z, faut juste le temps que ça rentre dans la game et puis c'est bon. Là en plus on a la flamme sauvage grâce aux deux kills. C'est parfait. Hop, on back parce que là, on a de quoi s'acheter normalement. Le petit couperet noir et puis on va faire directement le l'âme du roi déchu je pense. Donc la Béotarka, l'âme. Mon jeu est en français, et oui. Quelle honte. Donc cette pink ward qui me sert en fait strictement à rien, je vais la revendre si jamais. De toute façon maintenant, le truc c'est qu'ils ont perdu la game. Enfin, normalement. Hein. Si tout se passe bien. Bon là après, le Sion joue un peu ballsy, mais bon. C'est vrai qu'après, son passif est très cheaté. Hein. Sion, je vous avoue, là regardez, il va faire un... Il va pas le faire, dommage. Mais normalement, il aurait pu très bien faire le kill. Oula, oula, la veine, elle est folle. GG. Voilà. On y go. Hop, on va prendre son raid, même si moi j'ai mon raid. Ah bon, je vais perdre mon raid, donc tant mieux. Ok, ils ont sur N. GG Wildblade. Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je ferai d'autres games comme ça. Donc ça c'est des games random que je poste si je les trouve sympatoches et que j'explique bien des choses. Donc voilà. Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo, pardon. N'hésitez pas à vous abonner et puis à aller voir nos autres vidéos. Ciao.